Bonjour et bienvenue, nouvel épisode. Donc on est en fin de journée. On est en fin de journée, mais il fait pas froid. Donc je pense qu'on va partir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué des loups. J'ai tué deux loups, je crois, en tout. Je crois qu'il y en a un autre qui traîne. Et un cerf, en fait. Enfin, c'est pas moi qui ai tué le cerf, c'est le loup. Et après, j'ai tué le loup. Mais voilà, j'ai récupéré deux steaks. Donc, en nourriture, on est bon. En eau, on est bon. On est prêt à partir, en fait. J'ai réparé donc mes bottes aussi. Donc, on est potable. On est potable. Et aussi, donc, j'ai appris que. Donc, les fusibles et les câbles et tout ça, c'est pas forcément en fait dans la zone où il y a une tour. Et je crois qu'en tout, il y a 6 tours. C'est ce qu'on m'a dit. Qui couvre en fait différentes régions. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on va garder le matériel sur nous évidemment. Et on va aller à l'aéroport. Donc cette zone on va pas la faire exactement. On la fera donc plus tard en fait. Quand on reviendra je pense. On la fera plus tard. On va partir maintenant. J'ai ça de nourriture sur moi. Attendez, je vais faire. Tac. Tac. Je pense qu'on va faire comme ça. On est un tout petit peu lourd, mais. On va enlever ça. Pourquoi on est si lourd? Ça nous fait chier le marteau. Ça nous fait chier d'une force. Sérieux. 13. Non, c'est juste qu'on a pas mal de matos. C'est honnêtement, c'est le marteau. C'est le marteau qui nous embête. C'est pas grave, on y va. On y va, on y va. Donc ouais, ça c'est le loup que j'ai tué. Donc on va y aller, il fait pas trop froid. On va peut-être devoir se balader pendant la nuit, ça c'est un peu le problème. Mais bon. Sinon il fallait que je dorme encore une nuit et tout, et honnêtement j'avais pas envie. J'avais envie un peu d'avancer. On dormira la prochaine fois. Et après il me manque un peu de vie aussi, donc c'est un peu un problème. Mais bon, comme j'ai dit, on dormira à notre prochain arrêt, c'est pas très grave, on avance. Aussi, j'ai vu que la dernière fois, j'avais parlé du fait que... Alors, est-ce qu'on peut manger, par exemple, les glands, là, les x4? Est-ce qu'on peut les manger, mais pas les finir? Et après, les transformer en café? Et la réponse est oui. On peut totalement faire ça. Je le ferai, je le montrerai. Non. Ah non, me dis pas qu'il y a du vent. T'es sérieux, juste devant. Sans déconner. Sans déconner. Je crois que de toute façon, pour arriver à l'aéroport, on va devoir passer des tunnels et tout ça. Donc on sera quand même dans le noir. Donc peu importe qu'il fasse jour ou pas. Ça reviendra au même. Mais oui, donc on peut manger les glanges, on peut prendre 300 calories dessus, ou 399 si on veut. Ouh, des lapins. 399, et après, transformer le reste en café, et le café, il aura 125 de calories. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on peut totalement faire ça. C'est bien. Et honnêtement, c'est cool parce que... Oh putain, on a des câbles là aussi. Parce que franchement, de passer de 400 à 123, je trouve que c'est un peu abusé. Je trouve que c'est légèrement abusé. Je pense qu'on a trop de câbles et tout. Enfin, de toute façon, on fera le tri. On va devoir voyager chargé, hein. C'est un peu le problème qu'on a. Ok. C'est qu'on va devoir voyager chargé maintenant.
Enfin, je dis ça, mais j'avais dit que. Maintenant que j'y pense. J'avais dit qu'on le marteau, on le garderait pas, en fait. J'avais dit qu'on allait juste le chercher. Maintenant, là, je suis en train de garder le marteau. Est-ce qu'il y avait un marteau à l'aéroport? Je pense pas, hein. À la limite, vu qu'on a. Ah merde, attends. On n'a pas de marteau. On n'a pas de marteau. Au lac mystère. C'était au lac mystère qu'on voulait mettre le marteau. Ouais, maintenant que j'y pense, je fais tout à l'envers là. Oh mon dieu, on voit rien. Oui, je suis en train de me dire, là, en fait, je me charge un peu pour rien. Ok. Je me charge un tout petit peu pour rien. On va éviter les câbles électriques, hein, parce que... Ça va pas être fun, si ça s'allume. Non, mais de toute façon, je me rappelle pas si, à l'aéroport, on avait un marteau ou pas. Et je dirais limite non, parce qu'à l'aéroport, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est pas très grave. On va un peu avancer. Ça va, on l'a déjà fait ce tunnel. On sait qu'il n'y a pas de fantôme, on risque rien. Donc ouais, le marteau on le reprendra à la limite. Pour l'amener au lac mystère. Parce que c'est au lac mystère surtout qu'on a besoin d'un marteau. Parce qu'on en a un donc à l'autoroute côtière. Et on en a un juste à la zone précédente. Après, j'ai envie de dire la zone précédente, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment besoin de laisser le marteau là, parce que c'est en fin de zone. C'est pas vrai. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas, c'est pas grave. Faudrait que je note exactement tous les endroits où on a un marteau. Je me prends la tête avec les marteaux. J'ai dû déjà dire 15 fois au moins le mot marteau. Mais bon, ça devient embêtant, hein. Ça devient embêtant, hein, vu que ça pèse lourd et vu qu'on en a besoin. J'ai un peu peur que le courant s'allume en fait. Ok, on est bon, on avance. Ouais, j'ai un peu la peur du courant en fait. Je me rappelle pas quel chemin il fallait prendre. C'est par là ou c'est en bas? Ça, je me rappelle pas par contre. Je sais qu'il y a une corde. Mais je crois que la corde, c'est pour remonter. On n'a pas besoin de prendre la corde pour descendre, si. Je me rappelle plus du tout. Ouais, je vais être franc, je me rappelle plus du tout si on a besoin de prendre la corde. Et là, je peux pas la prendre en fait. Ouais, ça va être un problème, cette corde. Et si on est lourd comme ça à chaque fois? Oh, ça va être agaçant. Bon, il fait pas froid, c'est déjà ça. Je suis sûr qu'on n'est pas obligé de la prendre, mais... Alors, on est à 46-23.
Dis-moi que c'est bon, ça va pas être assez. Merde. On se fatigue un peu, mais ça va plus vite du coup, au lieu de faire le tour. Ouais, ça va, on peut se débrouiller encore une fois avec le marteau, ça va. C'est pas trop grave. Après, s'il n'y a pas du tout de marteau à l'aéroport, on peut le laisser. Celui-là qu'on a. Si jamais on doit revenir à la zone, on peut le laisser. Ça pourrait être... Ouais, ça pourrait être sympa. Le problème aussi, j'ai dit qu'on peut le transformer directement en café, mais en fait c'est faux parce que c'est pas vraiment directement en café. D'abord il faut écraser en fait les glands pour en faire de la poudre, et là on peut le transformer en café. Donc en théorie c'est pour ça qu'on a besoin de souvent du marteau du coup, parce qu'en gros vous mangez, vous les faites cuire, vous mangez le plus possible sans les finir, par contre je vais prendre une lampe, sans les finir, après vous les transformez en poudre. Et là, vous le transformez du coup après en café. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ouais. C'est un peu le problème. On est un peu forcé à tout transporter avec nous. Je suis pas super content de ça en fait. Tout pèse lourd. Encore heureux qu'on est à 45 kilos. Hein. Oh la vache. Sinon, on passerait vraiment un mauvais moment. Une trace de torche, ça c'est nous. Il y a du charbon. Ouh! On avait fait un feu ici. Ok. Ok. Les conserves, on va pas les prendre. Mais il faudra peut-être les prendre quand on reviendra. Parce que les conserves, on peut en faire des bombes. Et les bombes, c'est pas ici qu'on les fait. C'est genre à Blackrock. Je sais plus le chemin. C'est droite ou gauche? Merde, je me rappelle plus. Ah merde, mince. Attends. Ça met pas des masses, hein. Ah oui, non, là c'est pour revenir. Non, on va à droite. Ok, ça marche. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je voudrais bien qu'on puisse dessiner sur la carte directement. Ce serait tellement mieux que de... d'utiliser les bombes à spray. Ce serait tellement mieux. Et un peu plus logique en fait quand j'y pense. Genre on puisse dessiner même si c'est noir, vous voyez ce que je veux dire? On peut... genre même si on n'a pas découvert la carte, on peut... genre imaginer le chemin plus ou moins, vous voyez? Et dessiner ce qu'on veut, comme ça, ça nous fait une sorte de pense-bête, j'ai envie de dire. Je me rappelle plus trop ce chemin-là. Je crois que ça, c'est juste le chemin de fer et tout ça. Je crois qu'il y a potentiellement quelques loups près des wagons rouges. Par contre, je me rappelle qu'on va s'arrêter aussi à
À une gare? Je crois que c'était une gare. J'avais bien aimé cet endroit. Je le trouvais cool. On n'a pas froid. On est bon, on a qu'à avancer en fait. Ça va, notre... Ouais, il y a un loup juste là. Notre eau, nos calories sont bons. Ouais, c'est bon, je crois qu'il nous a perdu. Ah, je crois qu'il a attaqué un lapin. Bon, on a bien fait de partir la nuit. Même si c'est la nuit, c'est pas trop grave. Oh non. Oh, je viens de penser à un... Oui, je viens de penser à un truc. Quoique c'est que l'aéroport. C'est quelle région qui a le brouillard, là. Le brouillard électrique. Est-ce que c'est seulement l'aéroport ou ici aussi? Je suis en train de penser à ça. On a un lapin. Oh! Je crois qu'on a une aurore boréale. Ah oui, putain, c'est vrai qu'on voit rien à cause de... Oh là là, on voit moins avec la lumière que sans la lumière, c'est débile. Ah ouais, non, ça c'est complètement con par contre. Putain, faut que j'avance en biais, quoi. C'est ouf. Ok. Peut-être un jour, hein, ils fixeront ça, hein, la lumière. Hein. Le fait d'être ébloui avec la lampe. Ça serait bien. Hein. Strictement, ça m'aide tellement pas. Ça me rend fou, ça m'énerve. doucement avec les sons d'horreur là. On n'est pas dans un jeu d'horreur, c'est bon, on se calme. Ça, je vais être honnête, on en est proche, mais surtout que je vois strictement rien en face de moi. C'est l'embranchement d'un temps, ok. J'ai eu peur. Je me demandais ce que c'était le message. On va changer ça aussi. Voilà, pour le froid. Ouais, on a une aurore boréale. On pourrait dormir derrière nous, là, dans la grotte. Enfin, dans la grotte, dans le tunnel, plutôt. Mais je crois qu'on... Enfin, je voudrais bien m'arrêter à la gare, en fait. La gare, honnêtement, c'est un endroit super top. Et je crois que c'est pas méga, méga loin. Donc, autant continuer à avancer. Surtout qu'il fait pas froid.
Ouais, je crois qu'on est proche de la gare. Faut garder les yeux ouverts et les oreilles ouvertes aussi. Oh! Allez! Ok, ça fait quand même flipper hein, la nuit. Hein. Ça fait quand même flipper. Faut que je pense à regarder ces arbres là. Je les reconnais facilement, mais faut que je pense à les reconnaître en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vachement pratique quand même. Il y en a plein ici, ça pète. On a froid? Un peu. C'en est pas un, ça? Non. Ça fait tellement de bruit quand on gratte le sol, je fais attention. Ah, là, il n'y en a qu'un seul. J'en profite, hein, j'ai pas froid, donc... Oh, y en a plein! Ça tue. C'est une mine d'or. Rien pour le moment. Alors, on commence à avoir un peu froid. On va devoir un peu avancer pour se mettre à l'abri. Parce que j'aime pas rester en fait dehors comme ça. J'aime vraiment pas. Mais là j'avoue que je veux bien en profiter en fait. Est-ce qu'on a un loup ou un truc là? Non. Il y a une maison abandonnée là, à gauche. Ça là-bas. Maison brisée. Ou c'est juste un rocher qui ressemble à une maison? Non, c'est juste un arbre déraciné. Ok, c'est juste là qu'on doit s'arrêter. On va y aller. Ok, concentration, c'est les derniers mètres. Concentration. Très bien. Très bien, très bien. Natre. J'essaye de voir s'il n'y a pas des choses qui sont rajoutées. Ok.
je vais être honnête, ça fait un petit moment qu'on était venu, donc du coup je me rappelle plus trop. Bon, on est bon, on peut dormir ici. Ok, très bien. Ouh, très bien, très bien. On va pouvoir avancer. Donc ouais, vous mangez ça, mais vous les mangez pas jusqu'à la fin. Fais voir un peu... on n'est pas... Alors, on peut préparer des... Des glands. On en a 23, ça tue... 30 minutes. Oh, ça tue, c'est énorme. C'est super. Donc on va faire ça. Qu'est-ce que j'avais fait? J'en avais fait cuire un. Ouais, j'en avais fait cuire un. Celui-là, faudra le... Techniquement, il faudrait... Il faudra en faire 3 autres. Comme ça, on peut faire un café avec... faut que je dorme. Faut que je dorme. Très bien. Honnêtement, c'est super simple de survivre avec ça maintenant. Enfin, surtout ici. Bon, après, les arbres... Bon, quoique, les arbres, ils ont pas l'air d'être très rares, en fait. Je vais être honnête... Alors, on en a 5. Je voudrais bien tous les faire, mais je crois que ça va me prendre un peu de temps. Ouais, je crois qu'on va devoir dormir. Ouais, on va dormir maintenant. On va dormir maintenant. De là, je perds trop de calories et tout. Ok, très bien. Alors, on est en pleine forme. On va manger ça. On va attendre un peu qu'il fasse jour. Eh, c'est bon. Dis-moi qu'il fait bon. Ouais, ça va. On va dire qu'on a vu pire. Alors, maintenant, attends, il faut que je me rappelle où c'est. Dépôt vide. Ouais, mais ouais. Et après, c'était où? Faut suivre les rails ou faut remonter? Je me rappelle plus, moi. Je crois qu'il faut remonter. Faut... Je crois qu'il faut monter là-bas. Je crois que les rails, c'est un cul-de-sac. Y a pas des arbres à glands? Sérieux. Moi, je veux ça, maintenant. Plein. Plein, plein, plein. Je sais qu'il y avait des lapins, je crois, en face. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, on va se bouger les fesses parce que il fait froid aujourd'hui. J'avais honnêtement... Si on n'avait pas l'objectif d'aller récupérer la radio et tout ça, et qu'on était plutôt dans l'exploration, je serais reparti récupérer des glands. Franchement, parce que c'est trop bien, quoi.
Vous en récupérez un, vous avez 100 de calories, quoi, c'est énorme. C'est super. Bon bah ça se passe bien, ça se passe beaucoup mieux que la première fois évidemment. La première fois on connaissait pas, parce qu'à chaque fois qu'on avance on peut genre tomber en rade de bâtiment pour se cacher. What? J'ai touché le lapin ou j'ai touché le sol. Genre le lapin il a arrêté la flèche. Ta mère. Ok. J'avoue mais... Ah, j'ab... Non, ouais. Je vais dire que c'est cool. C'est pas là, hein. Non, c'est pas là. Je devrais faire une pause pour manger. Je vais être honnête. Les flèches durcies, c'est sympa. C'est sympa. Parce que du coup, j'hésite beaucoup moins à utiliser l'arc. Merde, mais c'est pas là qu'on doit aller. Putain, mais je suis là. What? Je me suis paumé. Ah non. Non, c'est juste qu'il... Je me rappelle plus. Non, on peut pas aller là. Si? Non? Non, on peut pas aller. Putain, j'arrête pas de me bloquer, quoi. Perdu. J'étais certain que c'était là. Apparemment non. On peut faire un feu avec... On peut. Attends, j'ai du bois. 9. C'est froid ou pas? 12. Faut plus de bois, on va faire un feu. Putain, je me suis paumé, c'est ouf. Oh là là, le vent. Ça me saoule ce vent. Je retourne à la gare là. Je me suis
paumé. Genre, en fait, c'est peut-être là. Pas là-bas. Allez, avance! Oh mon dieu, qu'est-ce que ça m'énerve! Ah, ça, c'est un truc qui m'exaspère de ouf. Oh là là! C'est le vent. J'ai envie d'appuyer 15 fois plus fort sur la touche. Je sais que ça sert à rien, mais... l'instinct, quoi. Qu'est-ce que c'est chiant. Attends, on va peut-être pas se brûler non plus. Ouais, faut que je dépose les lapins. Je les ai toujours sur moi. Ça peut attirer des loups. Come on, little fire. Tais-toi. Très bien. C'est bon ? C'est bon. Je crois qu'on avait déjà dessiné, mais... ouais. Ok. Ça m'embête le fait qu'on ait pas de... Il y a un truc qui bouge là ? Non. Qu'on ait... qu'il nous manque une portion de vie là, ça m'énerve. J'aurais dû regarder les lapins. Ils vont peut-être brûler. Oh, c'était juste. Très bien. Ok. Qu'est-ce que je veux faire? Non, on récupère qu'une seule plume. C'est combien? C'est 5 plumes, je crois, pour faire des flèches? Pour faire 3 flèches? On récupère 3 plumes, du coup. Est-ce qu'on voudrait faire un thé? Attends. Ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est... genre 9 minutes. Ouais, gland préparé. Parce que nous, on en a déjà fait un, donc il faudrait faire 3 autres. La peau, je crois que je vais la garder sur moi. Comme ça, ça nous permettra d'avoir des peaux. Enfin, quoi que nous, on peut les mettre dans le... dans la gare. J'appelle ça une gare, mais je sais même pas si c'est vraiment une gare. Deux. Du coup, on peut faire... ouais, 2 sur 4. Ouais, il faut que j'en fasse 2 autres pour pouvoir faire ça. Est-ce que ça utilise de l'eau? Parce que j'avais dit que ça utilisait pas de l'eau, parce que c'est pas une boisson, en fait. Mais est-ce que j'ai raison ou pas? On fait voir. On a 1, 19.
Ah si, ça utilise de l'eau quand même. Donc en fait, ça fait partie... je sais pas si ça, ça hydrate. Ah non, j'ai... Ouais, je sais pas, faudrait voir si ça hydrate ou pas. C'est un peu trop long. Très bien, il me faut de l'eau. Désolé, là on campe un peu, j'avoue. Pas très très fan de ça, mais... Donc voilà, maintenant je peux faire ça. Je peux faire ça. Et pour vous montrer que je dis pas des conneries... Alors attendez, que je fasse pas de conneries. J'étais à moitié réveillé quand j'ai testé. Donc on peut faire ça. Hop, on arrête. On est à 29. Et là, hop là. Vous voyez, on est toujours à 4 sur 4. Donc on peut tout manger, sauf... Enfin, on peut tout grignoter, en fait. Et pas les finir. Et après, on peut les transformer en poudre. Et la poudre, on peut le transformer en café. C'est top, hein? Sympa ce système. Ah ok, là il fait beaucoup moins moins froid par contre. Ça c'est cool. Alors fais voir. Hop. Mettre ça là. Les lapins, en théorie, on n'a pas vraiment besoin. On en trouvera à l'aéroport de toute façon des lapins. Donc c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc ce que je peux faire, c'est... Ça déshydrate pas. Hein. Ok, nickel. Après, je pourrais essayer de forcer le truc jusqu'au maximum, mais on va pas exagérer quand même. On n'est pas à quelques calories près. Par contre, je veux faire ça, en préparer un, le temps que ça cuise, et après... hop. Ah, mais de toute façon, je dois les mettre en poudre. Donc, 4, crafter, fabriquer... Ok, nickel. Donc l'embroyer, cuire. Et là, tu vas me faire ça. Voilà, nickel. Let's go! Là, il fait beau. Vous voyez, c'est pas mal, hein? Je sais pas s'ils avaient pensé à ça, mais... Ah oui, ouais, je m'étais couré de route. Donc, fil 31, mine, et je sais pas trop quoi. Ouais, fil 31, c'est par là, du coup. Ouais, moi, j'étais... Moi, j'étais allé là-bas, je crois.
Vu qu'il fait pas froid, on profite. Donc ouais, c'est super en fait. Quoi ce bordel, c'est une bombe là ou quoi? C'est super les glands, c'est complètement abusé. C'est complètement abusé. On peut trop utiliser ça. C'est limite mieux que les champignons. Alors les champignons, on en a des tonnes et des tonnes, hein, mais... Mais j'avoue que là, c'est encore mieux, quoi. On peut voir un peu les torches. Ouais, non, on va pas continuer la torche, pas grave. Parce qu'on en a très peu sur nous et je voudrais en garder quand même. Ce qu'on va faire, c'est que on va boire l'autre pendant que c'est chaud. Voilà, comme ça, on est bon. Parfait. Parfait. Je pensais vraiment... Je pensais que c'était plus loin, honnêtement, mais en fait, non. Parfait. Mais je crois qu'on a encore un long chemin à faire. Hein. Enfin, long. On a encore un petit chemin à faire. Hein, avant d'aller d'arriver à l'aéroport. Ouais, le col du transfert. Le col du transfert est pas fun, par contre. Si je me rappelle bien. La zone là où on était, j'aime bien, mais le col du transfert, je crois qu'il est un peu relou. Si je dis pas de bêtises. J'ai mon sac de couchage sur moi. Ouais. J'avais un petit doute. Tiens, vu de l'aérodrome ici, c'est pas loin. On l'avait pas fait. Intéressant. Ouais, voilà, ouais. Faut faire tout ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. Ouais, j'aime pas du tout le début d'ici, en fait. C'est très très long. Enfin, je crois. On y arrive bientôt. Ce serait bien qu'on y arrive avant la tombée de la nuit. Comme ça, on récupère notre torche. Si je vois une torche, je dis torche. On récupère notre radio. Et... Ouh, c'est quoi ce bruit? C'est le vent qui siffle? Vache. Ah, en plus on va de ce côté là. Attends. Ah oui. C'est relou. Ah, très bien.
Encore heureux que j'ai pris des flèches supplémentaires. Hein. Je suis en train de me... y penser. On était parti à 19. On n'est toujours pas arrivé. Il nous en reste plus que 16, c'est ça? 17. Il va faire nuit avant qu'on arrive à l'aéroport. Ah, ça, ça me... ça m'embête, ça. Je cours un peu parce que là, il y a un peu de la route, donc on court assez vite. C'est pas vraiment pour me fatiguer, mais c'est vraiment pour avancer. Je crois qu'on passe un meilleur moment aussi, parce qu'on a des meilleurs vêtements. On a vraiment du meilleur matos. Donc du coup, on n'a plus trop de problèmes pour se déplacer. Je crois. Après, pour l'instant, j'avoue qu'on n'a pas été touché par une tempête ici. Est-ce qu'on avait dessiné là ou pas? Ah, tais-toi. Ouais, on avait décidé. Ouais, commence à faire froid. Et là, c'est l'aéroport. Après, je crois qu'on peut faire une pause à un endroit. Tiens, on peut même faire une pause ici, si on veut. Ah non, j'ai cru que c'était creux. J'ai cru que c'était un caillou creux. En fait, non. Je crois que j'ai dû faire la même, chose la première fois que j'ai vu. Par contre, je sais plus ce qu'il y a sur le côté gauche. Je crois qu'on était allé voir. C'était pas une grotte ou un truc. Je crois que j'avais récupéré des objets. Toutes les torches sur le chemin. Aïe aïe aïe, il fait froid, on a sommeil. Je voudrais pouvoir me téléporter. Genre, poup, hop, on est arrivé. Très bien. Je prends de plus en plus de bois si jamais on doit vraiment faire une pause d'urgence et se réchauffer. On est sur la bonne voie. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est long. Ils ont quand même exagéré de pas avoir mis de raccourci. Hein. Alors à moins que j'en connais pas, mais... Genre à moins qu'il y en ait un que je le connais pas. Mais ça m'étonnerait. Hein. S'il y a qu'un seul chemin. Donc ils ont un tout petit peu exagéré. À chaque fois, il faut se retaper tout ce chemin-là.
Lapin. Ok, c'est ici. Par contre, je crois qu'ici, il y a des... Okay, je vois plein d'arbres où on peut cueillir. D'abord, on va aller se réchauffer. D'abord, on se réchauffe. Je sais pas si c'est normal que ce soit noir comme ça. On dirait honnêtement que des grenades sont tombées. Sont tombées de l'arbre. Ok. Ouh là. Ah oui, on a un établi en bois ici. Ok. Attends, objet fouillé. C'est quoi, des vêtements? Qu'on peut faire à la limite, j'ai vraiment envie d'arriver à l'aéroport en fait. J'ai pas envie de... Putain, mais ça va super long. Je vais aller récupérer déjà les glands parce que honnêtement c'est super intéressant ça. Faire attention parce qu'il y avait un loup, je crois, la dernière fois qu'on était venu. Je crois pas que ça soit normal. Je crois pas que ce soit normal, hein, que ça soit noir comme ça. C'est pas censé être noir comme ça. Ouais, je voudrais vraiment qu'on on arrive à la fin de cet épisode avec la radio, en fait, mais... Non. Mais ça va nous rajouter encore une bonne 20 minutes. Un bon 20 minutes à l'épisode. Je crois qu'on devrait s'arrêter là. Le temps qu'on descend, le temps qu'on arrive à l'aéroport. Ça va faire un peu long. Puis en plus, elle est très fatiguée. Donc si je fais que sprinter, elle va être dans le rouge après. Donc on va la jouer safe. Et tranquille. Très bien. Ah, ça tue, on en a plein. On peut se faire un petit casse-croûte. On peut se faire un petit casse-croûte vite fait. Très bien.
J'ai beaucoup d'allumettes parce que je commence à faire pas mal de feu. Mais bon, enfin après, pas mal de feu, oui et non, parce qu'on utilisait la loupe à chaque fois. C'est quoi ça? Ah, c'est le diable. Diablo! Le vent siffle ici, c'est... C'est pas fun d'entendre ça, honnêtement. J'aime pas du tout. Ok, très bien. Ah, ça se passe bien, je suis content. Et la prochaine fois, du coup, on fera notre descente à l'aéroport, on prendra la radio et on s'amusera avec la radio. Très bien. Sure, I can carry much more. 13, 26 minutes. Je veux bien voir si on n'en a pas d'autres qui traînent. Après, encore une fois, on peut utiliser les... Y'a rien. Les glands, hein, parce que... Ça procure pas mal de calories. Faut faire de l'eau à chaque fois. C'est un peu ça le problème. C'est peut-être à la limite plus chiant à faire que par exemple un... des champignons, parce qu'en fait vous avez besoin deux fois de l'eau. Une fois pour les faire cuire les glands, donc vous les mangez, vous les finissez pas hein, mais vous en mangez une partie, et puis après une deuxième fois pour transformer ça en café. Une fois que vous l'avez transformé en poudre, il faut encore de l'eau. Donc deux fois de l'eau. Comparé à des champignons où c'est qu'une seule fois. Mais bon, vous en tirez énormément de calories par contre. Hein, parce que... Allez, on va dire vous mangez 300, 350. Puis après, vous en faites un café, ça fait 125. Donc... Si vous débrouillez bien, vous tournez dans les 500 calories quand même. Hein. Pour 4 glands, vous tournez dans les 500 calories. C'est abusé quand même. C'est normal. Ouais, bah... Ah bah on est malin quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu incroyable. Après, il y a le temps de préparation aussi. C'est quand même bien chiant à préparer. Parce que c'est 40 minutes, parce qu'il en faut 4. Donc c'est minimum 40 minutes, c'est 10 minutes à chaque fois, c'est beaucoup. Donc c'est plus long à préparer. Peut-être plus embêtant parce qu'il faut de l'eau. Mais ça rapporte beaucoup plus de calories quand même. Donc c'est super intéressant. Content.
On va finir notre nuit. On va faire un peu à manger, faire un peu à boire. Préparer des glands, machin, tout ça, patin couffin. Et on y va. Il nous reste 6 flèches. Je vais voir si on peut pas... Fabrication. 22 minutes. Ah, j'aurais dû mettre de l'eau. Putain, j'étais con. Voilà, 3 flèches de plus. Très bien. Donc... Je vais voir si j'en ai à cuire. Plan préparé, grande portion cuire. Ouais, bah, du coup, on va mettre de l'eau. Ah. Merde. Getting a bit thirsty. Ah, c'est déjà prêt. T'as soif, madame? Branche mon casque, une seconde. Personne m'attaque. On est bon. Est-ce qu'un loup a gueulé ou pas? Dans 3 minutes, nous pouvons potable dans 9 minutes, très bien. Non mais en fait, non mais c'est complètement broken en fait quand j'y pense. Comme j'ai dit, le problème c'est ça consomme beaucoup d'eau en fait. Mais quand j'y pense, c'est complètement broken. Parce que c'est super léger pour 400 de calories. Plus j'y pense et plus je me dis c'est waouh. Évidemment, il y a le vent qui souffle de ce côté vers nous. Putain, j'ai chier. Sans déconner, quoi. J'espère que ça va pas souffler notre feu. Non, mais plus j'y pense et plus je me dis que c'est complètement broken, en fait. C'est absurde. Ah, j'aurais dû faire les 4 en fait. C'est moins long. Ok, très bien. On est à 1h23. Ça va. Elle se fatigue pas trop. C'est moi où il y avait un bruit bizarre. I wonder if I can drop any of this here. Faut que je prenne quelques torches avant que j'oublie. Très bien. J'ai combien d'eau? 3 litres.
Ah. J'aurais dû regarder. C'est quoi ce... Non, c'est le vent en fait. Ok, très bien. Regardez notre poids, il augmente pas en fait. Non, mais c'est broken. Non, non, moi je continue à dire que c'est broken. Alors après, c'est... Maintenant que j'y pense, c'est peut-être broken parce que on est niveau 5. Hein. Maintenant que j'y pense. I need to find a place to rest. C'est potentiellement broken parce qu'en fait, on a... je sais plus combien de pourcentage. En plus, quand on fait cuire des choses. Cuisine. On a 25% de calories en plus. Ouais, c'est peut-être broken parce qu'on a ça, je dirais. Je sais pas. Mais là, on a énormément de calories, hein. C'est débile. Hein. Non, là par contre je fais trop de... il m'en manque un. Après comme j'ai dit, c'est ça gaspille de l'eau. À la limite c'est que ça. C'est le truc, c'est que ça gaspille de l'eau. Comme on en fait deux fois, et une fois elle est pas utilisée, genre on va faire ça. Genre là, quand on fait ça, quand on prépare en fait... Non, pas quand on prépare. Quand on les cuit, on perd l'eau qu'on utilise. Donc oui, ça gaspille de l'eau. Ça je suis d'accord. Ça, je suis complètement d'accord, mais je suis désolé, mais ça reste broken, quoi. C'est trop bien. Ils sont où les lits? Ok. Parce que là, j'ai pas de viande. Là, je devrais taper dans les massettes. Je devrais taper dans les massettes, mais j'ai pas besoin. J'ai 400, on a 3, 4... On en a 7. On a 7 fois 400 calories. Enfin, pas exactement, parce qu'on va pas tout manger à chaque fois. Mais voilà, et puis après, une fois que c'est fini, on le transforme en café. Donc, putain, non, mais c'est super, en fait. C'est terrible. Moi, je sais pas. Moi, je trouve que c'est complètement broken, mais bon. Après, hein, moi, ce qui me fait rire, c'est que Interland sont là. Eh, on voulait pas mettre... On voulait pas mettre les histoires dans le mode intrus parce qu'on avait peur que ça casse la balance du jeu. Et après vous mettez ça, vous vous foutez de moi ou quoi? Voilà. En fait, le but du jeu, c'est de les mettre à 0-0-1. Je suis... Ça me fait rire, moi, c'est tellement abusé. Putain, c'est énorme. C'est énorme. Et après, on le transformera, ça, on va le transformer à 100, en 125 de calories. Et ce sera du café. Magnifique.
Magnifique. Je me demande si ça repop vraiment. Si ça réapparaît vraiment. Je crois qu'on m'avait dit oui, mais... Mais je trouve ça un peu abusé, en fait. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. Et le prochain épisode, donc, ça sera là. L'épisode... Même cet épisode, il est un peu long. Désolé, encore une fois. Mais le prochain épisode, donc, du coup, on descendra à l'aéroport et on récupérera la radio et on fera tout le bordel avec la radio et tout ça. On s'amusera un peu. Ah, c'est cool. On va dormir 9h. 8h. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao!